Et salut à tous, c'est Capitaine Flamme et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la putain de vidéo tuto que vous attendez depuis le début de la saison Capi dans Jurassic pour installer les mods pour être pour pouvoir jouer comme moi je le faisais. Donc là j'ai un Minecraft tout à fait basique, il n'y a plus aucun mode ni rien du tout. Vous pouvez voir là en fait il y avait des enclos. Donc même les blocs qui étaient, y a tout qui a disparu. Donc normalement quand on va installer tous les mods, ça va redevenir comme avant. Donc ce qu'on va faire, on quitte notre Minecraft. On va aller sur Google et on va aller sur le site Pipix que vous cherchez sur Google. Normalement je le mettrai dans la description en dessous. Et vous prenez le premier site qui s'appelle pixellife.org. Donc vous retrouvez pardon sur ce site-ci. Vous descendez et vous téléchargez ici pour Windows ou pour Mac. Hein, chacun fait comme il peut. Moi je l'ai déjà installé. Donc je vais vous montrer. C'est un exécutable, c'est pas un truc à installer donc. Suffit de cliquer sur le bazar que vous avez téléchargé. Voilà, comme ici, vous faites exécuter, hop, ça va le lancer. Et c'est un petit programme qui est vraiment génial parce qu'il va vous permettre de télécharger et d'installer des mods en deux clics en fait. Donc ça va être super facile. Donc la première chose que moi je faisais, alors c'est trouver le mode Fossil and Archaeology. Où est-ce qu'il est? Dans les F. Ah oui, donc il y a tous les mods que. Enfin, il y en a. Ils sont pas tous là, bien sûr, mais il y en a déjà beaucoup. Donc le premier, Fossil and Archaeology, vous l'installez. Faire une sauvegarde. Non. Donc voilà, ça va installer le mode. Voilà, normalement, il y a une petite fenêtre, voilà, qui va dire comme quoi ça a été installé. Une fois que c'est fait, alors moi j'avais mis. Où est-ce qu'il est? Simple player command. Voilà. Ensuite, on va mettre too many items. Par contre, j'ai cherché, oui, pour, je vous avais dit pour Word Edit, on peut pas, enfin, il n'est pas en fait dans la liste. Enfin, je pense pas. Je regarde si on l'a pas rajouté, mais non. Ça, je sais pas, je sais même plus moi-même comment j'avais fait pour l'installer. Normalement sur le site Word Edit vous devrez le trouver assez facilement, faut juste le glisser dans un dossier, c'est pas très dur. Et pour terminer, Optifine HD A2. Et une fois que ça va être fait, on va se rendre sur notre Minecraft. Voilà. Je vais aller sur mon Minecraft. S'il veut bien, voilà. Et normalement, le mode doit être réinstallé. On va le voir ici. Donc tout a bien été installé parce que ça bug pas. Et oui, tout a été réinstallé. Parce que ici, on peut voir tous les œufs et tout ce que vous voulez. On va voir si on peut faire spawn. Slash spawn Raptor 2. Voilà, ça fonctionne. C'est parfait. Donc en plus de ça, avec Optifine, je sais pas, vous pouvez voir comment. Enfin, moi je le vois fort, mais votre Minecraft ne bug vraiment beaucoup moins qu'avant si vous aviez des lags. Ah ouais, je voulais juste vous montrer ça. J'ai fait un pixel art de Explobomb.
J'ai fait les trois bombes, même s'il y avait, pour la tournabombe, il n'y avait pas la même couleur, mais j'ai essayé de faire comme je pouvais. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous montrer. Ce que je vais peut-être aussi faire, c'est la sauvegarde de ma partie. Je vais la mettre aussi. Je vais essayer, hein. Ce sera pas tout de suite quand je vais la publier, mais normalement je vais la mettre sur Mediafire et vous aurez qu'à la télécharger si vous la voulez. Donc la map de la saison Capi dans le Jurassique. Et mettez un petit pouce vert en dessous de la vidéo pour faire avancer ma chaîne un maximum. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous! We'll be right back.